Salut les potos, c'est Martinou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Fishing Planet. Alors aujourd'hui, on se retrouve, tiens, bizarrement, en Alaska, devine. On va rester un moment en Alaska, hein, je vous le garantis. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au saumon du Pacifique, autrement appelé d'ailleurs le saumon Quetta, à l'image des boulettes Quetta, les boulettes de viande. Voilà, c'est n'importe quoi ce que j'ai. Enfin, c'est pas grave, je vais continuer quand même. Donc voilà, alors le saumon boulette Quetta, il se pêche. Alors, les horaires de pêche, moi je prends les horaires du graphique, hein, vous voyez, en journée mitigée, je vais pêcher de 8 à 10, 8 à 11. En journée nuage, bah, vous commencez à 18h. Et puis en journée ensoleillée, vous pêchez le matin, tôt le matin et tard le soir. Voilà, les spots maintenant, il y a pas mal de spots qui existent pour le saumon Quetta. Le saumon boulette, tiens, je vais l'appeler le saumon boulette, ça me plaît. Le saumon boulette, on peut le pêcher depuis cabane du chasseur, en remontant le sentier, en visant dans les rochers, ça fonctionne. Moi, je vais vous proposer de le pêcher depuis pêche d'Inde, la terre du milieu. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux, peut-être des Ents vont commencer à prendre vie à côté de nous. Ok, donc on y va tout de suite. Je dis vraiment n'importe quoi dans cette vidéo, c'est un plaisir. Bon, alors, vous voyez le spot, on arrive sur cette berge, il y a des troncs d'arbres, c'est voilà, des Ents qui sont morts, des Ents morts, voilà. Lorsque vous arrivez ici, vous avancez tout droit, vous avez devant vous deux rochers, vous voyez, un clair et un sombre, vous mettez entre les deux. Et en vous mettant entre les deux, vous avez un alignement de rochers ici, dont un dernier au fond qui est plus sombre et un tout petit qui est juste à côté. Eh bien, le but du jeu, ça va être de lancer dans cette zone à droite du tout petit rocher. Alors avec quoi on va le pêcher ce saumon boulette? Alors le saumon boulette, on va le pêcher, j'ouvre mon sac à dos. Donc moi j'ai pris la RiverTex Zeus 270, hein, la nouvelle canne avec le nouveau moulinoche, avec le nouveau fil, enfin tout en nouveau. On n'est pas obligé d'avoir du matos aussi robuste, c'est quand même pas des poissons aussi gros que les saumons royaux uniques. Mais bon voilà, alors le leurre que j'utilise, j'ai essayé pas mal de PN, j'ai essayé pas mal de leurres, et celui qui a le mieux fonctionné, c'est le PN rouge en 2,30 m. Je crois que c'est un 2 mètres. Hein. 2,30 m, ouais, voilà, c'est celui-ci. Il fonctionne d'ailleurs pas mal pour pas mal de poissons. Donc voilà. Il est intéressant ce petit leurre. Et la technique de pêche, alors il n'y a rien de sorcier dans la technique de pêche. Vous voyez, vous lancez juste à droite de ce petit caillou. Et vous faites un ramener tout droit en vitesse 2. Là, on ne peut pas faire plus fastoche. Déjà, le saumon royal, c'était du ramener tout droit en vitesse 2. Là, on refait un ramener tout droit en vitesse 2. Fastoche à pêcher les saumons. Hein. Donc, ben voilà, donc je vais rien prendre pendant la vidéo d'explication. Mais bon, qu'à cela ne tienne, vous avez une petite séquence. Avec deux prises d'affilée que j'ai faites il y a un instant, un trophée en unique. Donc voilà. Et ben, c'était une vidéo assez courte, ma foi, mais j'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est quand même un poisson qui est pas très compliqué à pêcher. Mais bon, encore faut-il savoir où le pêcher et avec quoi. Eh bien écoutez les potos, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ça a été une petite vidéo flash en ce qui me concerne. Voilà. Eh bien les amis, je vous souhaite bonne pêche à tous, bonne chance pour la pêche du saumon boulette. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Bye bye.
Oh, c'est pas gros ça encore, merde. Ah, peut-être que si. Et ben voilà, impeccable.